solidaire de nous, c'est pour que nous nous fassions solidaires de lui. Depuis notre baptême, nous ne faisons plus qu'un avec le Christ. Avec Saint Paul, osons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous portons le nom des chrétiens, ça veut dire les amis du Christ, et nous allons offrir cette Eucharistie pour Marcel dimanche. Entrons dans cette célébration par les chants, chante au Seigneur un cantique nouveau. Amen.
Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas. Lui ne sera pas écrasé jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir cette instruction. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main. Je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de la prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Il accueille les hommes qui l'adorent et ils font ce qui est juste.
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Il est la source de la vraie vie.
de la vie en plénitude. Il est venu apporter la bonne nouvelle, l'évangile aux pauvres. Il est le sauveur des hommes, de tous les hommes, de toutes les nations. Il est le Fils de Dieu envoyé, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vie, rendre la liberté aux opprimés. Tous les messages évangéliques résonnent dans nos cœurs et confirmés lorsque nous entendons Marie nous dire « Je suis la Vierge des pauvres ». Rien d'étonnant dès lors que chaque année, des milliers de pèlerins fréquentent le lieu des apparitions. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À l'image de son Fils, Marie souligne sa propre disponibilité lorsqu'elle se fait connaître comme la Vierge des pauvres. Nous l'entendons dire, je suis la servante du Seigneur. Le pauvre sont mes seigneurs. Chacun de nous, qu'il soit pauvre ou qu'il ait un cœur de pauvre, se sait accueilli et aimé par Dieu. La Vierge des pauvres nous prend par la main et nous dirige vers la source, vers son Fils. Elle nous invite même à être les uns pour les autres des guides vers la source de la vraie vie, du vrai bonheur. Elle encourage les chrétiens du diocèse de Liège à être une église fraternelle où tous sont reconnus et valorisés, chacun avec ses cinq pains et ses deux poissons. Abandonné, on arrive pauvre et on répare errer dans sa pauvreté. Je pense en particulier aux malades et à tous les souffrants. À mes yeux, c'est le miracle permanent de ce lieu de pèlerinage. Déplaçons-nous, osons aller à Bané pour faire cette expérience. Accueillons cette grâce, elle nous encouragera à travailler au bonheur des pauvres et à mettre nous à leur service. Ainsi nous goûterons à la joie, au bonheur de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, Bané se trouve sur les hauteurs. Le vent y souffle. L'endroit est exposé. Ce lieu est situé en plein vent du monde. Il est ouvert sur le monde. N'est-ce pas un autre signe parlant? N'est-ce pas une invitation pour l'église de Liège d'être une église au cœur du monde pour toutes les nations? Oui. J'en suis convaincu. Nous sommes appelés à être une église pour le monde. Nous sommes appelés à cheminer avec nos contemporains de toutes les nations pour être au milieu d'eux, un signe crédible de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le peuple de Dieu que nous sommes dans ce diocèse ne se met pas à l'écart. Il veut vivre l'évangile et l'annoncer aux pauvres de ce temps et de ce monde. Je souhaite de tout cœur que le 75e anniversaire des apparitions soit l'occasion pour nous tous de participer à l'une ou l'autre manifestation ou célébration à Bané. Vous en serez informés dans vos paroisses. Par ailleurs, ce jubilé pourrait donner lieu à un élan de piété mariale renouvelé autour d'autres lieux dans les différentes régions du diocèse. Partout, la Vierge nous conduira à la rencontre de son Fils et nous dira comme au serviteur de Cana, faites-vous ce qu'il vous dira. Chers frères et sœurs, nous nous unissons volontiers à Lourdes et à Boré, qui fêtent également des anniversaires marque des apparitions de la Vierge. Le jubilé de baptême, j'en suis convaincu, sera un temps de grâce pour notre diocèse et bien au-delà. Il ouvrira nos cœurs aux pauvretés et aux richesses de tous les hommes, de toutes les nations et de toutes les
que la Vierge des pauvres prie pour nous, comme elle nous l'apprend, et nous prions avec elle en particulier pour les malades, pour la paix et la justice dans le monde, comme elle nous le demande. L'évêque de Liège, à l'Église. Thank you.
précieux des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Thank you.
Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, thank you.
Nourris de ton Eucharistie et cire de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom des Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, parmi les annonces, je vous invite, venus très nombreux, mardi prochain, le 15 janvier, à la cathédrale, à Liège, à 18h, ce sera la messe solennelle d'ouverture de l'année jubilaire des apparitions de la Vierge à Marie. Deuxième annonce, dimanche prochain, dans notre unité pastorale, à Quincampoix, nous aurons la messe à 9h45, le 20 janvier, dans l'esprit des gospels. Et avant la bénédiction, nous remercions pour toutes les grâces que nous avons reçues, pour chaque personne qui a porté pendant ce temps de Noël et avant, pendant le temps de l'Avent, au début du mois de décembre, jusqu'aujourd'hui, petite pierre pour construire la beauté. Et lui aussi, le Seigneur, soit la crèche, soit l'éclairage, très bel chant, pour tous la rédemption, en reste de vous et en chantant, quand il cause. Le Seigneur.